Nous n'avons pas de chat. Y'a un chat! Oh, y'a un truc qui me regarde là! Ah, mais. Y'a un fantôme? Ah! Ah! Après des mois de recherche d'emploi, j'ai enfin trouvé cet emploi. La description du poste semblait simple. J'allais m'asseoir près du moniteur et signaler tout changement inhabituel. Dans des circonstances normales, je ne peux pas gérer ces paranormales, mais j'ai besoin d'argent. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Paranormal Inc. Donc c'est I'm on Observation Duty version réelle, version IRL. Vous allez voir, c'est complètement horrible. On va découvrir ensemble. Donc oubliez, on ne pourra pas encore l'avoir, on n'a pas de points. Je pense qu'on en gagnera en terminant le premier niveau. Nous n'avons pas de chat. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Un jeune couple avec un bébé a rapporté des événements étranges à la maison depuis un certain temps maintenant. Les choses bougeaient et disparaissaient. Ils ne sont pas rentrés depuis une semaine. Signalé toute anomalie constatée. Ok. Oh là là, ça va être horrible. Bon, là, c'est le bureau. Là, c'est le couloir. Salon. Donc, faut bien regarder ce qu'on a. Hein. La chambre. C'est assez creepy. Je sens qu'il va y avoir des trucs aux fenêtres et tout, les gars. Ok, la cuisine. Donc on a un couteau, on a une éponge, on a deux tasses. On a du sopalin. Une boîte rose. Attendez, on a deux boîtes à peu près pareilles. Ouais. Alors le bureau, on a la chaise, on a la tablette. Encore du sopalin, on a une bouteille. Ça, c'est ouvert. Donc je pense que c'est normal. On va faire attention aux petits détails. Le tableau. Cette porte est fermée. Ça, tout est fermé, deux paniers. Ça c'est ici, ça c'est là. On a un coussin vert, un coussin marron. Est-ce que ça, ça aurait pas bougé, l'ordi? Déplacement d'un objet. Oui, non. Ok, non. Donc rien n'a bougé, c'est normal. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Fantôme, monstre. What? Les gars, c'est... What? C'est pas... C'est quoi? C'est pas un fantôme? C'est quoi? Pareil. Autre? Ombre? J'en sais rien. C'est quoi ce truc? Ça me fait flipper. Les gars, c'est quoi ce chose qui me regarde là? Extraterrestre? Ah, ils sont vicieux. Il y a monstre, il y a extraterrestre. Genre, c'est pas la même chose? Quoi? Mais c'est... Fantôme, monstre. Forme humaine. C'est qu'une tête, hein. Mais... What? Faux rapport 5. C'est pas un fantôme, c'est pas un extraterrestre, c'était pas une forme humaine. Autre? Genre, c'était autre. Oula! Oula! Qu'est-ce que c'est ouvert, ça? Porte ouverte fermée. Fenêtre. Parce que c'est subtil, hein. Donc c'est une porte, ça, pour moi. Ok. On est d'accord sur ça. Tout a l'air bon ici. Ça, c'est ouvert, ça? C'était entre-ouvert ou pas? Je sais plus. Non, mais je peux pas faire des faux rapports non plus. Vous avez vu, il y a un nombre limité de rapports à faire. Si j'en fais 5 faux, ou que j'ai un taux inférieur à 80%, c'est pas... Ouh, la lumière. Putain, lumière. Ok, la lumière était bien. Mais... On n'est pas fou. Hein? Quoi? What, le jeu a crash? Oh my god, le jeu a crash, les amis. C'est encore plus flippant. Ah! Mais what? Il est cheap! Hein? Non, 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 ce jeu est maudit, il fait que crash! Les gars, le jeu encore crash! Je crois qu'on ne pourra jamais le terminer, hein. J'ai l'impression qu'il est en train de faire un truc dans ma vie réelle. Ça me fait peur. Il fait bugger mon PC, il va être chez moi. Ah, le cheap qui était là? Ah, mais il y a un fantôme! C'est un fantôme, ça, on est d'accord. Attendez. Fantôme, c'est un fantôme. Couvercle. C'est un fantôme, il est caché en dessous, non? Ok, c'est pas un fantôme. Donc, c'est une forme humaine. Je mettrai autre si c'est pas ça. Ok, c'est forme humaine. Il y a toujours la musique, pourquoi? Oula, ça c'est ouvert? Porte ouverte? C'est censé être fermé, ça. Merci, il est rentré par là. Il est rentré par là. Ok,
Objet supplémentaire. Objet supplémentaire. Y'a rien à faire là. Ok, merci. J'ai l'impression que tout va bien ici. Oh, y'a un truc qui me regarde là. Ok, c'est quoi encore? C'est une forme humaine? C'est un monstre là. Mais non, c'est un monstre. Clairement un monstre. Un fantôme, un monstre, un alien. Là, on est d'accord, il y a un petit œil là. Mais c'est quoi si c'est pas ça? Attendez. C'est pas. Forme humaine, c'est pas ça. Un monstre, c'est pas ça. Soit c'est une ombre, ça c'est autre. Là, je dis c'est autre. Autre. Autre, on prend pas de risque. C'est pas autre. Si c'est pas autre, c'est quoi? C'est une ombre? C'est pas une ombre pour moi ça. Mais c'est impossible, c'est quoi du coup? Oh mon dieu. Et les gars, ce jeu va être super dur hein. Parfois les fantômes sont des humains et les humains sont des fantômes. On prend pas trop. Wow! Y'a un humain. Y'a une tête d'humain. Forme humaine. Oh mon dieu, mais c'est creepy. Regardez la tête à l'horizontale comme ça. Ok, ça a disparu. Est-ce qu'il y avait une fenêtre ouverte ou une porte qui a fait qu'il est arrivé? Non. Oh là, il n'y a pas de chat dans cette maison, ils l'ont dit en plus. Hein. Objet supplémentaire. Dégage. Yes. C'est cool, ça se fait instant. Hein. Ok, le son se calme, c'est qu'on a tout découvert. Ça c'est ouvert, tiroir. Il y a un bruit. Fenêtre ouverte. Tiroir. Ils appellent ça un tiroir ou une fenêtre pour vous? Un tiroir. Non trouvé. Dégage, j'entends un bruit bizarre. Fenêtre ouverte. Porte. C'est une porte, c'est une porte. Ah, c'est une porte, les amis, je suis fou. C'est quoi? C'est pas une porte? C'est quoi, du coup? Couvercle? Mais non, c'est pas un... C'est un tiroir. Mais c'est pas un tiroir, c'est quoi? Fenêtre? What? Les gars, je suis en train de faire n'importe quoi. Par contre, j'entends un bruit chelou. Ouh, la fenêtre. Ça, c'est une fenêtre, c'est sûr. Hein. Ça, c'est une fenêtre, y'a pas de doute. Ok. Hein? C'est fermé tout seul. C'est complètement chelou. Bon, tant mieux. J'ai envie de vous dire. Lumière. Lumière. Merci, c'est mieux. Allez, vite. Ok, tiroir. Tiroir ouvert, fermé. Ça, c'est pas ouvert normalement. Si c'est pas des tiroirs, c'est quoi? C'est des portes? C'est subtil, hein? Porte? C'était pas une porte, les gars, mais... Je me fais troll de tous les côtés. On va bien y arriver un jour, non? Ah, mais... Y'avait un chat! Je vous jure, y'avait un chat! Y'avait un chat! Non, mais je suis pas fou, là, y'avait un chat! Oula, un objet supplémentaire? Allez, au revoir. Ça, c'est pas là, hein. Il y avait un chat, les gars. Il n'y a pas de chat dans cette maison. Je vous promets qu'il était là, je suis pas fou. La boîte a bougé. Déplacement. Elle était dans le fond, non? Oui. Bien vu. Alors, là, c'est le moment de vérité. C'est un déplacement d'objet, ça, donc, du coup. Non. Pour moi, ça, c'est... C'est une porte de placard pour moi. Porte ouverte. Tiroir ouvert. Couvercle ouvert. C'est pas un couvercle ça. Je vais tenter le couvercle là, ça se trouve le jeu a une mauvaise traduction. Couvercle? C'est un couvercle. Non mais c'est un couvercle. Non mais ce jeu me troll. Ça c'est un couvercle. Ok. Bon on le saura maintenant. Ah il y a un gros problème avec ce jeu les gars. On va avoir beaucoup de mal. Ah cette maison me... Me met pas bien vraiment. Ah je la déteste. Ils ont vraiment trouvé la maison la plus creepy je trouve. Ça y était ça? Il me dit rien ce petit. Objet supplémentaire? Il était là? Ouais il était pas là, j'avais raison. Commence à connaître un peu quand même. Ce couloir je pense c'est l'endroit qui me fait le plus flipper dans cette maison. Dites moi dans les commentaires l'endroit qui vous fait le plus flipper. Allez dégage. Ça y était pas. Pour moi, franchement, toutes les pièces sont creepy, mais...
Ah, super mention. La mention du couloir, là, vraiment. Alors, forme humaine. Forme humaine, Gigi. Humaine. C'est une tête d'humaine. C'est un animal, alors. On va dire que c'est un animal. On va être rationnel. Un animal. Même si je vois très peu de choses. Ok, non. Si c'est pas un animal, je dirais que c'est un monstre. Fantôme, monstre, alien. C'est logique. Mais what? Ombre, c'est pas une ombre. Autre. Qu'est-ce que c'est? Un objet supplémentaire. Et non, c'est pas un objet supplémentaire. Il y aura pas une musique comme ça sinon. Autre. Ah! Je me casse. Ah, je reste pas dans cette pièce, moi, c'est mort. Il a dû ouvrir une porte. On va mourir. Il est... Oula, il s'est déplacé. Là, il y a du bruit, on est d'accord, hein. Ok, ouvert. Porte ouverte. C'est peut-être une porte de placard qui est un couvercle, je ne sais plus. Yes, ça a marché. Ouh. Je crois que si je fais encore une erreur, on a perdu. Fenêtre, fenêtre ouverte. Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison, là. Ok, je vois rien de bizarre. Non plus. La porte là, elle est en train de me troll, les gars. Ferme-moi ça. Ok, yes. On arrive bientôt à 3h du mat, hein, on l'a jamais fait. Couvercle. C'est un couvercle. Merci la trad FR. Vraiment. J'espère qu'il y aura une mage. Oula, lumière. 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 Je sais pas si c'est beaucoup mieux en fait, ça fait autant flipper. Ok, on a battu. Y'a un chat! Je vous avais dit qu'il y avait un chat! Je suis pas fou. En forme d'animal? C'est un animal ça, du coup. Yes. J'avais peur qu'il me mette que c'était genre un reflet dans le miroir ou je sais pas quoi. Ok. Donc le chaton, je suis pas fou, il y était. Ah! Il est où le bruit? J'aurais peut-être dû déclarer le bruit. Wow, wow, monsieur! Au revoir! Au revoir! C'est bon, ça a même fermé la porte, c'est super cool. C'est bon? Y'a quoi de plus? Oula, porte ouverte! Et ouais, porte ouverte. Allez, ferme-moi ça. Ok. Normalement, la musique va se calmer un peu, non? Non, c'est pas bon. Ok, ça se calme. Ouh! J'ai la pression. Hein? Oh, sac à dos, il était pas. Objet supplémentaire. Sac à dos, sac à dos. Voilà, il me suit à l'école. Et il me suit même à la maison, dis donc. Il est bien possédé ce sac à dos. Ah! Reflet dans le miroir! Reflet dans le miroir! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Slendrina croisait que The Preacher de Mantella Catalogue. On est bon là ou pas? J'ai peur un peu dans cette maison. Je vais déménager. Je vais déménager. Je vais déménager, il y a trop de sang. Qu'est-ce qu'il y a que je vois pas? Je suis en train de rater un truc? Non, ça s'est calmé. 5h du mat, les amis. Je crois qu'il reste une heure à tenir. J'espère que c'est jusqu'à 6h. Ah! Forme humaine, ça c'est un fantôme. Forme humaine ou fantôme? Fantôme. Soulendra, c'est un fantôme. Mais non. C'était forme humaine! Ok, du coup, c'est une forme humaine. Si c'est pas un fantôme. C'était bien ça. Ouvert. Ça doit être fermé. C'est entre-ouvert. Yes. Voilà, on commence à connaître. Hein. Ça va y aller. Oh, 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 ça a rien à faire là, ça. Ça va y aller, on va réussir. Oh my... Et ce truc, c'est quoi? On n'a jamais trouvé, c'était quoi? C'est un objet supplémentaire? Mais non, c'est même pas ça, du coup. Une ombre. Est-ce
C'est quoi? Je quitte la caméra. J'ai que ça à faire. Ah, ça c'est nuit. Ça c'est nuit. Oh mon dieu. Je sais pas comment il fait pour se caler en haut comme ça en plus. Oula, c'est ouvert ça. Vous avez vu la main? En direct. Réflexion sur le verre. Peut-être. Yes. J'ai plus la pression au moment d'envoyer le rapport que quand on voit l'entité. Éteins, éteins, lumière, 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 s'il vous plaît. D'accord, du coup je comprends mieux comment c'est à l'extérieur avec tous ces reflets là. Bruit. Y'a quelqu'un qui est en train de scier un truc là. Il y avait un bruit, ils m'ont pas compté. Ferme-moi le frigo. Chiroir. Ouvert. Oh, oh là, c'est un jeu de piste. Est-ce que c'est compté comme une porte de frigo, un tiroir de frigo, un couvercle? Non. Une porte de frigo, tout simplement. Yes. Ok, on est d'accord sur ça. Ta cadeau, t'étais pas là. On va rester un petit peu dans le salon. En mode chill. Au moins, s'il y a un truc qui change, on le voit en direct. Ah! Ok, bruit! Mais comment ça? Ah! What? J'ai été attaqué? Oula! C'est pas censé être allumé, ça? Un PC gamer avec le clavier? Ok. Ok, là à nouveau 5 heures du mat. Je pense qu'il nous reste une heure à tenir vraiment. Faut qu'on chaîne, faut pas qu'on tombe sur des entités dures à classer. Oh, lumière, ça c'est pas dur. Allume-moi la lumière. Merci. Allez, on vient de dépasser les 5h30. On peut y arriver les amis. Juste à espérer qu'à 6h du mat il fasse jour. Et que ce soit la fin de notre nuit. Ah! Y'a du bruit. Y'a du bruit. Et je me tire. Si c'est pas ça, je me tire direct. Ok, c'était ça. Ok, on va rester dans le salon pour fêter la victoire. Si c'est 6h, bien sûr. Allez. Yes. On a réussi. Pourquoi j'ai pas d'étoile de shérif? 73%. Ah non, j'ai échoué. Moins de 80%. Oh mon dieu. Hey, y'a un Hamtaro qui est apparu. Y'a jamais eu de Hamtaro ici. What? C'est complètement chelou ça. On va essayer d'y arriver encore avec plus de 80% de réussite. Ce jeu est dur, hein. Je le tryhard depuis tout à l'heure. Allez, 5h du mat. Forme humaine. Forme humaine. En boule. En PLS sous la couette. C'est bon, c'est fait. Y'a rien d'autre? Non, je ne crois pas. Alors on va y arriver. On va y arriver. Allez, s'il vous plaît, c'est mon dernier essai là. Vraiment, j'en peux plus. Faut qu'on y arrive. J'espère qu'on a plus de 80%. Hein. Sinon, ça va être chaud. Donc, faut pas camper trop longtemps sur les caméras non plus. Je pense c'est pour ça que je me suis attaqué tout à l'heure. Si on reste en mode AFK, on se fait attaquer, c'est sûr. Tiroir. Tiroir. Ok. Il reste pas beaucoup de temps. J'aime pas cette pièce. On va rester ici. Ça devrait être bon. Allez. 3, 2, 1. C'est bon! 82% de réussite. Du coup, j'ai 81 trucs. Et. Attendez, il faut 250. Mais je dois réussir combien de fois? Mais c'est horrible ce jeu!